Bonjour. Bonjour. Jean-Louis, que faisons-nous avec le porc? Alors, on va faire une brochette de porc au pruneau et bacon. Et pour combien de personnes? Pour deux personnes. Alors, on va commencer par faire une petite sauce aigre-douce pour servir avec nos brochettes. On met 2 cuillères à soupe, d'huile d'arachide. Un oignon haché finement? Haché finement. Un oignon moyen. Hein, un oignon moyen. Bel oignon. On peut mettre l'ail avec également. 2 gousses d'ail hachées, dégermées bien sûr. 2 gousses d'ail. Bien. Et on fait suer pendant combien de temps? On fait suer 3-4 minutes nos oignons et nos gousses d'ail. Les oignons et l'ail ont bien sué pendant 4 minutes. 4 minutes. On va les saler et poivrer. C'est... Voilà. On va ajouter le miel. Alors 3 cuillerées à soupe de miel. De préférence un miel de fleurs d'acacia par exemple, ou un miel de châtaignier, c'est beaucoup plus parfumé qu'un miel ordinaire. On porte à ébullition. On porte à ébullition. Ensuite, on va déglacer au jus d'ananas. Une. Ça apporte l'acidité. Ça apporte l'acidité. Deux. On va en remettre encore une. Allez, trois. Allez, 3 cuillères. 3 cuillères à soupe. On va porter à ébullition. Ensuite, on va ajouter le gingembre en poudre, la valeur d'une cuillère à café. Une cuillère à café. Ça bout bien. Alors là, il y a un bon bouillon. Il y a un bon bouillon. On va mettre 3 belles cuillères à soupe de ketchup. Voilà, 3 belles cuillères à soupe. On porte à ébullition. On porte à ébullition sans faire cuire. On éteint le feu. Et on va, pour terminer notre sauce, ajouter 1 cuillère à soupe de sauce anglaise pour rehausser un petit peu la sauce. Voilà. Le feu est éteint, on la laisse comme ça. On la laisse comme ça. Et pendant ce temps-là, nous montons les brochettes. Voilà, on va monter nos brochettes. Alors on prend un pic en bois. Alors ça, c'est du quasi de porc. Du quasi de porc. Du quasi de porc. Donc on coupe un morceau carré comme ça, de 2 sur 2. La tranche d'oignon. Le petit quartier d'ananas. On roule le pruneau avec la poitrine fumée. Et on recommence, c'est-à-dire il y a 3 morceaux de porc, 3 morceaux de porc, 2 tranches de lard, 2 pruneaux, 2 morceaux d'ananas et 2 tranches d'oignon par brochette. Voilà. Et on fait l'autre pareil. On va assaisonner les brochettes. Ça les poivrer. Ça les poivrer. Sur toutes les faces. Sur les 4 faces. Ensuite, on va les poêler. On met 1 cuillère à soupe d'huile d'arachide. Alors là, il faut quand même les cuire assez longtemps, donc un feu assez doux. Un feu assez doux. Parce que c'est du porc. C'est du porc. Là, ils ont 2-3 minutes. 2-3 hein, minutes sur une face. On va les remettre sur une autre face. Délicatement. Et on dresse. Et on dresse. Et on sauce légèrement sur, en parsemant la sauce un petit peu sur nos brochettes. On en met un petit peu autour. Et le restaurant saucière. Voilà. Voici un classique du sucré salé. Oui, mais à la française. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.